20 guerriers à Nantes et notre objectif c'est de résoudre des problèmes métiers en développant des applications web. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait on est des gens pragmatiques, on est une majorité d'entrepreneurs, des gens qui ont monté des boîtes ou qui ont envie de monter des boîtes et on sait qu'il faut rester focalisé, que c'est pas forcément toujours facile de rester focalisé sur la valeur ajoutée apportée aux utilisateurs quand on développe une application ou un outil de manière générale. On n'a vraiment pas peur de rentrer en confrontation en fait avec les entrepreneurs. Parce que ce qu'on ne veut pas faire, c'est développer des fonctionnalités qui vont simplement faire plaisir à l'entrepreneur ou au product manager. Et ça, on le voit assez fréquemment. Et ça nous arrive d'être dans des moments de tension avec nos clients parce qu'on leur dit, mais non, en fait, ça ne sert à rien. Et on va mettre en place en fait, tout un tas d'hypothèses. Notre philosophie, on est basé sur Scrum, enfin, on utilise Scrum et Lean Startup. Des hypothèses et des outils qui vont permettre de capter des métriques sur l'utilisation des produits. L'objectif, c'est d'aller rapidement, c'est d'itérer rapidement, c'est de mettre rapidement le produit sur le marché et le tester rapidement auprès des utilisateurs et montrer qu'il y a une utilisation et qu'il y a de la valeur qui est apportée aux utilisateurs. Alors en fait, on va travailler, enfin, je vais vous donner plusieurs exemples de clients avec qui on travaille. On a bossé avec une boîte qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire les paiements, enfin en tout cas les amendes qui peuvent être payées lors de cas judiciaires. En fait, en se basant plusieurs caractéristiques d'un dossier juridique, se dire, OK, bah, avec ces éléments-là, tu as un risque de 90% de payer telle fourchette. D'autres, enfin, dans un tout autre monde industriel, remonter des informations, remonter des données de machines connectées. Et dans un deuxième temps, là, on est en train de faire en sorte de pouvoir les contrôler. Et dans un autre contexte, client industriel qui veut refaire une application web, une application métier, là, en fait, on a utilisé ce système-là pour dire, OK, on va reprendre ton process entièrement et faire en sorte de voir si on ne peut pas automatiser des choses, pardon, faire en sorte de gagner du temps à tes utilisateurs, gagner du temps à tes opérationnels, en fait, et encore une fois, leur apporter plus de valeur, parce que finalement, ils vont être plus focus sur vraiment leur cœur de métier. Donc, on est basé à Nantes, on est juste à côté de la Tour de Bretagne, et si vous voulez passer nous voir et en apprendre un peu plus sur ce qu'on fait, n'hésitez pas.